Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous allez regarder cette vidéo. C'est une vidéo de présentation de divers albums. Alors simplement la présentation de l'extérieur des albums parce que après, plus tard, je vous ferai la présentation d'un album après l'autre en prenant le temps de vous le montrer à l'intérieur et en vous donnant certaines astuces pour les réaliser. J'espère que ça vous donnera de l'inspiration. Et je vais vous présenter déjà le premier. Celui-ci, il est hivernal. Pour l'hiver qui approche, il a été fait avec un vieux pull à l'extérieur, des pompons qui ressemblent à des flocons de neige, les skis en bois, et puis le devant également avec du bois et certaines découpes. Vous voyez qu'à l'intérieur, il est petit, mais il a beaucoup, beaucoup de pages où vous allez pouvoir mettre beaucoup de photos. Donc, si vous voulez voir l'intérieur, ben, restez avec moi sur ma chaîne YouTube pour un petit peu plus tard. Celui-ci, aussi sur le thème de l'hiver, avec un tissu polaire bien rembourré. Une écharpe en guise de fermeture avec des petits pompons et en plus des petits grelots. J'ai mis une écharpe en guise d'attache parce que le protagoniste de l'intérieur de cet album porte une écharpe. Mais je vous le montrerai bien plus tard. Celui-ci. Comme vous pouvez voir, ce sont des couleurs automnales avec une super collection. J'y ai fait des découpes en 3D. Et le tissu, je trouve qu'il se marie à merveille avec le reste de l'album. Je ne l'ai pas travaillé en collant les pages de ce côté-là, enfin à l'intérieur, mais plutôt ici et ici. C'est un super album, vous allez voir plus tard que même en collant les pages de plutôt devant et derrière, c'est super beau. Pensez surtout à vous abonner à ma chaîne pour voir la présentation des albums. Mais attendez, c'est pas fini, il y en a encore. Celui-ci. Pour les fans de félins, pour toutes celles qui ont des chats à la maison, pour y mettre leurs plus belles photos. Les images sont magnifiques, la collection est magnifique. Ce papier lamellé est vraiment très beau. Pour celles qui me connaissent, vous savez que j'aime bien travailler avec ce papier-là. Des jolis rubans, des petits cœurs et l'intérieur. Avec beaucoup de pages, aussi des dépliants et des enveloppes. Beaucoup, beaucoup d'inspiration. J'espère que ça vous donnera envie de rester avec moi et de le voir. Alors, je vais me tourner de l'autre côté. Celui-ci, du Japon. Mais celui-ci, il est déjà en présentation sur ma chaîne. Vous pouvez le trouver et ainsi pouvoir voir à l'intérieur. C'est un album avec énormément de capacités parce que si je compte aller au Japon, je compte faire beaucoup de photos. Donc, allez le visionner. Il est vraiment très très beau. Et la collection de papier est magnifique. Celui-ci, pour les fêtes de Noël ou pour l'hiver, mais plutôt dans les tons rosés et non pas rouge et vert comme on a l'habitude de voir. Plutôt dans les tons rose, violet et avec un vert kaki. Et l'intérieur avec des petits pompons. Celui-ci, comme ça on aura aussi un petit peu d'été. Celui-ci qui ressemble, enfin qui est pour l'été. Je l'ai fait pour
Je l'ai fait lors de mes vacances au bord de l'eau, dans un magasin qui s'appelle Pesta en tus manos, avec un monsieur qui s'appelle Pac Anskap. Vous pouvez aussi visionner de ses tutoriels sur YouTube. Pub! Est-ce que lui me fait de la pub? Je ne sais pas. Je ne crois pas, non. Donc, l'album se trouve dans ce petit sac. Et voilà, présenté avec un petit shaker. Il est cousu et il est tenu par la bouée. Donc celui-ci aussi, je vous le montrerai plus en détail dans une autre vidéo. Alors surtout, abonnez-vous. Vais vous montrer celui-ci parce que les autres, ils sont déjà sur ma chaîne. Celui-ci, je pense, a été un de mes tout premiers albums. Je pense que je l'ai fait il y a, oh là là, 5 ans peut-être. Mais je l'ai toujours laissé là parce qu'il était dans mon magasin en présentation. Et hier, je l'ai vraiment finalisé. Voyez il est vraiment très très épais. Et il est assez original parce qu'il a été fait avec tout ce qui me restait, toutes les découpes qui me restaient de ci, de là. Alors, j'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche et que vous allez vous abonner à ma chaîne. Juste ici en bas, cliquez abonner et ainsi vous pourrez me suivre. Donc, mais surtout, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.